êtes ici sur une superficie d'environ à peu près 300 hectares. 400 hectares. Donc il nous faudra quand même faire le circuit avec le minibus. Hein? Parce qu'à pied, je pense que ça sera très compliqué. Il nous faudra quand même utiliser le minibus. Donc je laisse la parole à mon collègue M. Gomis. Et puis il va vous expliquer un peu le circuit, comment ça va se dérouler. Alors c'est tout un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette ferme qui a existé officiellement depuis 2007, qu'on a créé MAP Industries. Mais c'est quand même une ferme qui a existé depuis plus de 25 ans, d'accord ? Qui a été créée sur fonds propres par des investisseurs sénégalais et qui veulent promouvoir tout simplement le travail avec des Sénégalais qui sont là, qui ont la compétence, qui ont la rigueur dans le travail et qui veulent aller de l'avant pour faire développer notre tendre pays qui est le Sénégal, n'est-ce pas ? Voilà, donc comme a si bien expliqué mon collègue Moussa, donc moi je m'occupe de la partie production. Et qui parle de production, parle de toutes les unités des unités industrielles. D'accord ? Donc notre première activité, c'est de faire des poussins d'un jour. D'accord ? Qui dit poussins d'un jour, dit œufs de consommation. Qui dit œufs de consommation, dit également élevage de reproducteurs. D'accord ? Donc juste pour vous expliquer que nous avons notre propre parc de reproducteurs, donc d'une capacité de 44 000 femelles équipées. D'accord ? Donc 44 000 femelles équipées avec une vision de passer à 10 000 supplémentaires d'ici fin 2019. D'accord ? Alors ça, c'est pour juste être autonome sur la partie poussin et œufs à couver. Et surtout aussi, derrière sur la partie commerciale, de pouvoir diminuer le coût du produit final. C'est tout simplement ça. Donc permettre aux Sénégalais lambda de pouvoir produire, de pouvoir aussi bénéficier du produit à un coût vraiment rentable et accessible. Aujourd'hui, l'œuf à couver qu'on importe de l'Europe est assujetti à un coût de fret. Et juste pour vous expliquer, le coût de fret vous permet aujourd'hui d'avoir votre propre bâtiment d'élevage. Donc si nous nous basons sur une importation d'œuf à couver vers l'Europe, on est toujours limité. Et on connaît tout ce qui se passe très souvent en Europe avec tout ce qu'il y a comme risque de maladie qui fait que par moment on est assujetti à un quota minimum de fa couvé. D'accord ? Donc c'est ce qui fait qu'on a, en tout cas les dirigeants de cette entreprise ont eu une volonté de faire les reproducteurs. Donc là, ce que nous allons faire pour être dans le vif de la visite, nous allons commencer par visiter la fabrique. Donc nous avons deux unités de fabrication d'aliments. Donc une qui est en maintenance en ce moment, mais on va visiter la deuxième unité de fabrication qui est d'une capacité de 5 tonnes heure. 5 tonnes heure, c'est pas quelque chose de grandiose, hein, 5 tonnes heure. Il y a des unités qui font plus que ça, mais 5 tonnes heure, c'est juste pour nous permettre d'étoffer nos besoins sur la partie production, mais aussi de pouvoir en vendre à nos partenaires qui nous prennent des poussins par-ci, par-là. D'accord ? Donc c'est ce que nous allons visiter. Ensuite, nous allons passer au couvoir. Donc pour le couvoir, nous avons une capacité de 620 000 poussins à semaine. D'accord ? Et ensuite, nous allons voir les reproducteurs en élevage et voir les reproducteurs en production. Alors sans plus tarder, on est sous le soleil, on va prendre les véhicules, on va se déplacer, on va d'abord voir l'usine, ensuite on va passer au niveau du couvoir.